retour pour l'Infinity 3ème édition avec Utant Uranium face à AOF Dekenshiro. Uranium qui jouera bien sûr Santiok et Dekenshiro Songhai. Allez, c'est parti déjà. Un petit peu de zoning hein, entre les deux joueurs. Ils cherchent tous les deux une solution. Uranium utilise beaucoup Second Spire X, hein, pardon, Second Spire pour avancer et faire monter sa barre de X. Et du côté de Dekenshiro, pour le moment, il attend tranquillement d'essayer de placer une petite punition. Il faudra qu'il fasse attention à Dekenshiro parce qu'il a un style plutôt de jeu agressif et évite pas éviter de rentrer trop dans le jeu d'Uranium, on va dire. Qui va essayer plutôt de calmer le jeu et essayer de passer des accélérations. Donc, dicter le rythme là, ce Condor Spire qui passe et il tente le body splash en cross-up deux fois d'affilée point versé. Et voilà, ce Shadow Kick là, il a été puni, bien senti de la part d'Uranium. Il a mis placer le Shop Spé Condor Spire X pour être safe. Et derrière le Condor Spire normal, lui lancer la Shop Spé, la saving qui tue. Très très bon départ d'Uranium. Voilà, il a dicté le rythme dans ce premier round et il remporte logiquement hein, le premier round. Faudra que Dekenshiro fasse beaucoup plus attention. Essayer de placer un petit peu de rythme de son côté. Allez, il essaye d'avancer là maintenant. Dekenshiro, on le voit. Allez, hop là, il essaie d'avancer. Voilà, c'est bien déjà. Saut gros pied tranquillement. Il n'a pas voulu placer un petit setup. Il s'est méfié de la Shop Spé cette fois de Uranium. Et voilà, en entière, bien utilisé. Allez, Condor Spire X et décale la Shop Spé derrière. Le Light Chop, bien utilisé. Body Splash, et bien joué dans ce cross-up ambigu. Et voilà, le petit Tomahawk, Condor Spire X, attention ça va faire mal parce qu'il y a Shadow Kick après le target, bien vu de la part de Dekenshiro en punition. Allez, il met un petit peu plus de rythme là, Dekenshiro c'est déjà mieux. Et Uranium, lui de son côté, essaie d'avancer. Condor Spire, bien arrêté, net, Shadow Kick, tu arrêtes d'avancer. Alors, il a voulu placer l'entière un tout petit peu trop court, Dekenshiro, attention ça. Hey, il est un tout petit peu loin, sur le coup le Shadow Kick a bien été utilisé, trop loin pour être puni. Allez, Dekenshiro essaie d'avancer. Et Uranium, voilà, Condor Dive X et Ozento X. Et oui, c'est pas safe face à un gars qui a des barres de X. Voilà, le bas médium de la part de Uranium. Il essaie d'avancer avec des séries de POC, des petits dash, de varier hein, un petit peu les rythmes. Comme il a fait au premier round. Côté Dekenshiro, toujours en observation là. De toute façon, il faut qu'il se méfie parce que hein, Uranium, à tout moment, il peut faire très très mal. Allez, le chrono, 20 secondes. Pour le moment, Uranium va être obligé d'attaquer. Allez, là, il a un petit peu gratté. Ça s'est équilibré la barre de vie. Attention, ce Shadow Kick après le saut. Vertical, il l'a évité. Il prend la Shop Spé. Condor Dive, cross-up. Bien lu de la part d'Uranium. La distance parfaite pour embrouiller complètement son adversaire. Et voilà, premier set remporté par Uranium. Il est bien parti en tout cas pour remporter le match maintenant. Mais Dekenshiro va pas se laisser faire. On le connaît, il a un très très bon guy. Solide. Allez, comme tout à l'heure, cette fois Dekenshiro va voir s'il va. Oh là, bien joué ce Shadow Kick pour passer inverser les commandes, décale Shop. Ça c'est propre, j'aime ça. Allez, il continue, il essaie d'avancer là. Tranquillement, Uranium maintenant. Allez, bam et jump, le saut vertical. Ouais, mal vient de placer un Condor Dive peut-être. Il a hésité certainement. Et encore Shadow Kick qui punit. Condor Dive, Shadow Kick 3 fois d'affilée. Uranium, faudra qu'il se fasse attention. Parce que là, Dekenshiro est en train de lire complètement son jeu. Eh oui, l'entière bien repoussé avec le médium. Allez, il essaie d'avancer. Hein, Uranium, on le voit. En même temps, il fait monter ses barres de X. Côté Dekenshiro, il s'est calé au fond de l'écran. Il observe tranquillement. C'est lui qui domine là. Allez, toujours 48 secondes. Il essaye d'avancer Uranium. Attention ce Shadow Kick. Il aurait pu être puni. Hop là, voilà l'anti-air. Bien vu de la part de Dekenshiro qui observe. Il passe de l'autre côté. Ah, il y avait moyen de placer Shop là. Par contre, il a eu peut-être un petit peu peur aussi de la Shop Spé de la part de Uranium. Dekenshiro, il lui place Condor Spire. Et voilà, c'est le Pukaiku X en punition. Dans le Condor Spire X, c'est bien joué ça de la part de Dekenshiro. Il s'est fait arrêter par le POC. Aïe, 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 Uranium a moyen de placer de la pression là. C'est le Pukaiku X encore en punition. Voilà, c'est facile, c'est propre. Et non, qu'est-ce que c'est que ça? Parce que là, ça va tuer normalement. Et voilà, c'est ça avec Shadow Kick qui a fait le target. Tranquillement, bien placé. Il est en position de force là, le guide de Dekenshiro. Et il remporte le premier round du deuxième set. Il se relance dans la partie. Allez, Uranium, faut pas se laisser aller. Voilà, des chops entre les deux joueurs, ce vertical. Il est en phase de presse, dommage que Guy s'est arrêté là, Dekenshiro. Il y avait moyen de faire un petit peu de pression et embêter Uranium.
Allez, le Shadow Kick, backdash, c'est tranquillement, il picote et il s'en va pour le moment. L'anti-air, bien vu, il arrête un peu le setup de Uranium, de Kenshiro. Allez, il met des petits dash, il essaie de mettre de la pression, les deux joueurs hein, d'ailleurs. Tout en faisant attention, il respecte une distance entre les deux joueurs. Allez, hop là, le Shadow Kick qui touche parce que les deux joueurs sont propres. Ils se connaissent bien, oui, voilà, Counter Spire UX pour décaler la Chop Spé. Et un saut neutral et la Chop Spé bien utilisée. Le saut gros pied, c'est le Pukaiku dans le vent. Attention, saving, bien gardé de la part de Uranium. Et voilà, ça y est, les Unauto Shi qui est passé. Et Dekenshiro se remet dans la partie là quasiment. Ça peut aller très très vite parce qu'il a de très très bons targets. Et le Senpukaiku, attention, il va se faire punir et tuer. Allez, grosse chop. Viens là, je vais t'assassiner. Voilà, un round de partout. C'est chaud entre les deux joueurs. Uranium n'a pas dit son dernier mot. Allez, Dekenshiro a sauvé une balle de match déjà. Il est bien, faut qu'il insiste. Allez, on attaque le final round du deuxième set. Allez, que directement, il utilise les Counter Spire au maximum Uranium. Il a vidé ses barres déjà, il en a récupéré une autre. Allez, Counter Spire direct UX, Ascension Tomahawk, il a juste fait remonter la barre, à vrai dire, il était assez loin. Le série de POC, Counter Spire, pas puni par un Senpukaiku de la part de Dekenshiro. Allez, il a juste mis un medium en counter, tranquillement. Il essaye d'avancer, hein. Aïe aïe aïe, Counter Spire UX, le Counter Dive trop loin, déchoppé, bien lu de la part de Dekenshiro. Parce que là, Uranium avait bien placé sa chope. Allez, petit Counter Spire pour avancer. Dekenshiro est complètement en retard niveau vital, ça va durer. Ouais, c'est passé ça, Ozento, regardez la barre de vie en une phase, juste sur le cross-up, Shadow Kick. Allez, là il est relancé complètement dans le match là, c'est ce qu'il fallait faire Shadow Kick. Attention, il a voulu inverser les commandes encore et placer une chop comme tout à l'heure, une petite spéciale. Hein. Ozento UX en entière. Et là, là, le Counter Dive est passé, pardon, le Counter Spire est passé. Et là, il prend la grosse chop, ça ne va pas tuer mais ça met en bonne position, on va dire, Uranium. Il veut placer de l'autre côté, non, c'est raté de pas beaucoup, il a voulu placer en cross-up. Mais il a bien lu Uranium, hein. Il a juste un petit peu avancé pour décaler les séries de POC et remporter le match sur le coup. Voilà, 2 à 0 pour Uranium qui va aller en finale. Dekenshiro n'est pas éliminé, bien sûr. Il va aller en loser bracket. Et la prochaine rencontre de l'Infinity, ce sera la finale winner entre Uranium face à NES3D. Allez, on se dit à très très vite et que l'esprit des combos soit avec vous.